Vous rêvez d'une tête pendulaire pour la photo animalière. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur celle que j'ai choisie. Dans cette vidéo, nous allons procéder au déballage de cette tête pendulaire pH 2. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre soit un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Procédons maintenant au déballage. Il y a une petite pochette pour transporter la rotule. Bon, c'est un peu léger, mais ça peut protéger quand même. Une petite notice avec une clé hexagonale. Des petites vis avec un adaptateur pour fixer sur un pied. Le plateau. C'est un grand plateau pour fixer sur le collier de votre objectif. Le support du plateau qui est réglable et la rotule en elle-même. Donc, pour adapter le plateau dans cette glissière, on peut le régler en hauteur. Et le plateau support d'appareil photo ici. Donc elle est vraiment très souple, réglable. Donc voici mon setup complet. Le pied Benro, la rotule et mon appareil photo avec le téléobjectif. On peut voir que le mouvement est très fluide. Si bien dans ce sens que dans ce sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le descriptif, les liens, en bas de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like et éventuellement un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !